tous les êtres, la source de tous les conflits, c'est le côté subjectif de l'expérience. Quand j'étais petit, il y avait des fois une pensée qui m'a turlupiné, comme on dit. Je sais pas trop si dans le dictionnaire ça. Mais... C'est dans le dictionnaire. T'as vérifié. C'est utile d'être omniscient quand même. Il a été vite fait dans la liste. Il a vérifié. C'est dans le petit Robert, mais pas dans le Larousse. Et donc, il est disposé dans l'étagère de ma grand-mère. Ah oui, bah tu vérifieras. Et cette pensée, c'était, mais qu'est-ce qui me prouve que le verre que je vois, c'est le même verre, par exemple, chez l'autre? Qu'est-ce qui me le prouve? Et en fait, cette pensée, elle m'est venue parce qu'avec ma mère, le turquoise, ça a toujours été un sujet de conflit. La couleur turquoise. Pour moi, ça tire carrément vers le bleu, quoi. Et pour ma mère, ça tire carrément vers le vert. Du coup, c'était toujours... Donc je me disais, mais... Ça se trouve, elle voit le ciel vert. Donc en fait, ça a l'air de rien, mais c'est à partir de là que tout le conflit humain prend naissance. La subjectivité de l'expérience. Et donc il y a ça au niveau des cinq sens, et il y a ça au niveau des idées aussi, des convictions. Alors que si on revient... J'aime bien utiliser cette expression qui n'est pas de moi, mais que j'ai reprise. Si on revient à 0 cm de soi-même, même si ça ne veut rien dire, parce que vous êtes la conscience et vous êtes partout, ça vous ramène à la source de toutes les perceptions. À la source de toute perception, cette tranquillité simple, qui passe complètement inaperçue aux yeux du mental, et pour le mental, ça n'a aucun intérêt. Cette tranquillité simple qui est à la base de toute la création des pensées, de toutes les perceptions, qui est là avant tout ça. Là, par contre, c'est pareil chez tout le monde. Et ça, évidemment, le mental, il ne le comprend pas, mais c'est intuitivement perçu, vécu. Il y a un moment donné, il y a la réalisation que la paix est la même pour tous. C'est que la vie n'est pas ma vie. Je disais ce matin au petit déjeuner, là, depuis des millénaires, les sages ils disent la réalisation, c'est la fin du mon et du mien. Du mon et du mien. Et on se rend compte que la vie n'a rien de personnel. Ça change tout de vivre à partir de je suis. C'est exactement le même je suis. Chez tous les êtres, absolument tous les êtres. Quand vous regardez un humain, entre guillemets, dans les yeux, c'est exactement la même force, la même conscience qui voit, peu importe que cet humain soit même sur un chemin spirituel ou non, c'est la même force. Quand vous regardez un animal dans les yeux, c'est exactement la même conscience qui vous voit. C'est pareil. Et c'est pas forcé qu'il y ait des yeux aussi. Ça se fait aussi sans les yeux. Un jeu, des fois, que pour les personnes qui sont très touchées par la nature, je leur dis d'aller devant un arbre et puis juste de se poser la question, mais sans chercher une réponse mentale. Qu'est-ce que tu vis, toi? Tu regardes un arbre et tu dis, mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui vit l'arbre? Qu'est-ce qui vit l'arbre? En fait, on peut le faire avec tout. Il ne faut pas chercher une réponse ici. Hein. Qu'est-ce que tu vis la table? Qu'est-ce que tu vis le parquet? Qu'est-ce que tu vis chaque chose? La science, elle a aujourd'hui démontré qu'il y a ce
qu'ils appellent le champ unifié. C'est un champ comme ça au sein duquel tout, complètement tout, est interconnecté. Et l'une des plus grandes découvertes récentes, c'est que chaque point de l'univers a la totalité de l'information de tous les autres points de l'univers. D'où le petit Laos. on peut tout à fait avoir toutes les réponses à tous les questionnements à partir de n'importe quel point de l'univers. Tout est là, comme dit Gérald, tout est disponible tout le temps. Tout est disponible tout le temps. C'est une étude souvent ça, et c'est vrai que. Même des choses que vous n'avez pas forcément apprises. D'ailleurs, forcément, l'essentiel de ce que vous êtes, vous ne l'avez pas appris. Forcément. Donc ça a la réponse. On n'est pas obligé d'être en méditation traditionnelle, enfin en méditation dans la pratique classique pour pouvoir être dans ce centre, parce que ce centre, il n'est pas uniquement là, c'est partout en même temps. N'importe quelle action peut amener à cette réalisation qu'il n'y a que maintenant. Tout à l'heure, on parlait entre deux satsangs de la sexualité. Et puis, la personne me disait, quand je suis dans l'acte sexuel, c'est vraiment une expérience spirituelle pour moi. Il n'y a que maintenant. En fait, ça peut se faire avec n'importe quelle action. C'est la voie classique du karma yoga, quand tu es complètement dans l'action. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ouverture? Si on regarde en détail... C'est pour ça qu'il y a des personnes qui réalisent le soin en épluchant une patate. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un oubli à ce moment-là du petit moi. Et c'est pour ça que toutes les expériences les plus joyeuses que font les humains, c'est lorsqu'ils s'oublient en tant que petit moi. C'est pour ça qu'ils vont au cinéma, c'est pour ça qu'ils vont sur les pistes de danse, c'est pour ça qu'ils vont dans la nature. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a un oubli de l'histoire de moi. Qui se produit. Et dès que vous oubliez que vous êtes le petit personnage vivant son histoire personnelle, il y a automatiquement la joie qui apparaît. Parce que les problèmes, il faut s'en rappeler. C'est vrai. C'est bien, mais on ne peut pas fuir. Enfin... On va chercher ça, mais moi je me vois bien faire. Mm-hmm. Quand j'arrive pas à rester avec moi, je vais chercher quelque chose à faire. Donc c'est comme une fuite quelque part. Il y a comme un... Je pense que la plupart de ce que je ressens, en tout cas, vraiment je peux parler que de moi évidemment, mais voilà ce qui se passe. Mm-hmm. Je vais choisir un film et me mettre devant parce que clairement là, ça devient. Oui. Tu sais, Mananda Mahi, elle disait souvent aux gens qui étaient un peu trop intenses sur le chemin, vous avez besoin de joie humaine aussi. Donc, des fois aussi, il faut un peu... Tu vois... Tu peux pas... je crois que je l'ai dit hier. J'ai le droit, quoi. Sans arrière-pensée. Ouais. Ah, merci. C'est ça. Ah, parce que ça devenait vraiment austère. Il n'y a pas
Ouais. Oh, merci. Ce sera d'autant plus fort que il n'y aura plus cette culpabilité-là, justement. Mm. Parce que là, tu étais en train de dissocier les maintenant. En fait, il n'y a qu'un maintenant. Mais pour le mental, il y a plusieurs maintenant. Par exemple, il y a le maintenant du satsang, là. Puis quand le satsang sera fini, vous allez croire que maintenant est différent, puisque le contenu aura changé. Mais maintenant n'est pas le contenu de l'expérience. Maintenant, c'est le contenant de l'expérience. C'est ça qui change tout. La joie, elle ne dépend pas du contenu de l'expérience, elle dépend de réaliser ce qui contient l'expérience. C'est-à-dire que cette stabilité du maintenant, peu importe ce qui défile devant les yeux ou aux perceptions, tu vois, quelles soient, c'est comprendre que la saveur même du vivant, enfin le vivant, c'est maintenant, et c'est, finalement c'est ta seule possession. Le mental, il va te faire croire que ce que tu possèdes, c'est ta richesse, elle va se situer dans un temps. Tu vois, il va te faire croire ça, que tu seras plus heureuse quand tu seras dans tel contexte particulier. Mais je sais bien que non. Ah ben voilà. Et du coup, ça dit non tout de suite, même quand cette idée. Et du coup, je sais que c'est vrai, ça. Ouais. Et du coup, c'est là que je me sens bloquée. T'es bloquée dans maintenant. Quand je parlais hier, ouais, ouais. C'est que il y a des pensées, tiens, ça, la Nouvelle-Zélande, je sais pas quoi, il y a n'importe quoi. Mm. Plutôt qu'ici. Mais en fait, peu importe, que ce soit ici ou là-bas. Ah oui, alors ça, on en parlait. Je vais emmener tout mon truc avec moi. Oui, mais ça c'est intéressant de le réaliser. Il y a beaucoup de gens qui partent en Inde dans une grotte, et j'ai fait l'expérience de partir et de tout quitter pour aller dans un lieu complètement pour me consacrer à la pratique, et en fait on se rend compte qu'effectivement tu trimbales tes dossiers partout, hein. Tu ne peux pas te fuir. Ouais. Ça, c'est clair. Et ben là. Mais attention, parce que là, il y a un petit. On en parlait hier, justement. C'est très bien que tu en parles. C'est pas parce que ce que tu es, par essence, c'est un maintenant qui est en dehors du faire, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'apparence d'un faire qui se déroule. C'est-à-dire, c'est pas. Le personnage, il est là pour être dans l'action. Même si la conscience est non-action, et qu'en fait tu bouges jamais de là où t'es, le sentiment d'ici par exemple est toujours le même, ici est toujours le même, tu vois. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas laisser le mouvement de la vie se faire, tu vois. Et donc s'il y a l'élan de la Nouvelle-Zélande, c'est complètement ok, tu vois. Que ça, c'est encore l'ego qui subtilement, en fait, il fait le tour et il passe par la porte de derrière et il te fait croire que c'est non spirituel, par exemple, d'aller en Nouvelle-Zélande, de prendre un chocolat chaud, de manger une pizza. En fait, j'ai vu comme. Ça, c'est un courant miracle, j'ai dû faire des. Mais. De ne pas investir dans ce monde, en fait, tu vois. Oui, mais ne pas investir dans ce monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas action. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna est très clair avec ça. Il y a carrément un sutra qui dit ça. L'action, donc là il parle du corps, est meilleure que la non-action. C'est-à-dire que pour te libérer, il vaut mieux laisser le mouvement de la vie se faire. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de femmes qui me disent « Ouais, j'en ai ras-le-bol des histoires de mecs, j'en ai ras-le-bol d'être en couple et tout ça. » Et donc, elles mettent un coup de pied là-dedans, puis elles se disent « Ouais, moi, je suis spirituelle, j'ai pas besoin de ça. Je suis autosuffisante. » Oui. Mais non, parce qu'il y a encore l'élan de la vie qui veut expérimenter ça. Donc, et en même temps, ouais, mais non, c'est pas spirituel. Je connais, je suis aussi un peu passé par ça. Mais en fait, non, ça change rien. C'est ça qu'il faut pour la conscience, c'est pareil. Quoi que tu vives, tu es la même. C'est ça qui doit être réalisé. Quoi que tu vives, tu es la même. Parce qu'il vient là, c'est la peur de... Alors là, c'est des trucs de genre le karma qui débarque. Mais tu es au-delà du karma. Tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est qu'à chaque fois, il y a une réponse qui vient
Casser le truc. Mais ta vraie nature, elle n'est pas assujettie au karma. Parce que le karma, en fait, ça s'inscrit dans une temporalité. Et comme t'es intemporel, éternel, donc il y a... Tu sais, le karma, comment je pourrais te dire ça? En fait, ça n'existe, la causalité, elle n'existe que parce que tu n'as pas conscience d'être réalisé. D'accord. Quand tu as pleinement conscience d'être réalisé, il n'y a plus la place d'un karma là-dedans. Alors, il ne peut plus y avoir une causalité. Pour qu'il y ait une cause, il faut que tu crois dans le exactement. Temps. Exactement. Il faut que tu crois dans le temps. Enfin, j'y crois un peu. T'as la croyance d'y croire, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est quoi la différence avec quelqu'un qui croit? Tout le monde a la croyance d'y croire. Bien sûr. Il y a du karma pour personne. Il y en a, il semblerait, dans le relatif, à partir du moment où on croit dans une temporalité et qu'on n'est pas conscient d'être réalisé, d'être la nature divine, tout ce que tu veux. Oui, là, forcément, ça s'inscrit dans le relatif, à titre d'expérience. Dès que tu es parfaitement conscient d'être la conscience, il n'y a plus la place d'un karma. Bah non, c'est dissous totalement. Ouais. Tout se crée en conscience à partir de ce moment-là. Ouais, tout est conscientisé. Tout est conscient. Ouais, mais c'est ça. Le truc. En fait, quand t'es encore dans le temps, dans une historique, la vie, elle se déroule en fonction des conditionnements passés, des croyances passées. C'est pour ça que c'est facile de prévoir l'avenir d'un humain. C'est que l'humain, par exemple, on va dire... qui est comme le mental est comme un programme. On va dire, on va appeler ton programme le programme 27. Le programme 27, il va toujours agir. La solution va être toujours la solution 27 au programme 27, quel que soit. Donc on peut savoir à l'avance tout ce que tu vas faire, puisque tu réagis en fonction du passé, des conditionnements passés. Sauf que quand tu réalises que ta nature, elle est hors temps, puisqu'il n'y a que maintenant qui est vrai. Il n'y a que maintenant. Le réel, c'est que maintenant, tout de suite, c'est ta seule maison. C'est ta seule maison, il n'y a que là. Et à ce moment-là, tu commences à t'abstraire des conditionnements, parce que les conditionnements, tu les vois apparaître maintenant, et ce n'est pas forcément saisi. Tu vois. Et donc, c'est un peu ce qu'on disait ce matin, justement, au petit déjeuner, c'est qu'il peut se passer une phase de lessive après la réalisation, c'est-à-dire une phase où il y a un grand nettoyage qui se fait, où tu es totalement maintenant. Et tu vois encore ce qu'on appelle le prarabdha karma en Inde, c'est-à-dire qu'il y a encore des petits résidus du subconscient qui continuent à apparaître, et ça tombe. Et ça tombe, et tu n'y réponds plus. Tu n'y réponds plus. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas avoir un élan qui n'appartient plus au conditionnement de la personne. Donc pour les autres, ça va faire bizarre, parce que tu n'agis plus du tout comme tu agissais avant. Et d'ailleurs, quand on commence un chemin, même au cours du chemin, on commence à changer complètement des trucs, tu vois. Après ma première expérience, je suis passé du jour au lendemain végétarien. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de végétariens que maintenant. Et donc, ça a fait comme un gros clash. Il y a plein de trucs qui se sont mis à changer comme ça. Et c'est apparu de nulle part, quoi. De nulle part. Tous mes vêtements, je les ai balancés. Dans ma chambre, les trois quarts des affaires, je les ai balancés. J'ai dormi par terre. Tout est devenu un dépouillement, tu vois. C'est comme tu repars à zéro, quoi. Il n'y a plus les conditionnements. Et en fait, ça, c'est l'élan du cœur. C'est ce que la vie veut vraiment expérimenter libre, tu vois. Ça se déploie librement, sans aucun passé derrière. Et là, ça commence à être sympa, parce que là, tu danses à ce que t'es. C'est ça. À partir de ce que t'es. Ça, je le pressens vraiment. Mais ceci dit, c'est encore lié à une fuite. Ah, si tu vois qu'il y a une fuite. De ce que je crois être réel aujourd'hui. Mmh. Ouais. Pour être clair, c'est vraiment ça. Ouais. Et je pense que c'est ça qui empêche le truc. Ouais. C'est que c'est pas encore complètement accepté, cette vision-là. C'est pour ça que encore une fois, c'est intéressant que tu dis ça, parce que ça fait écho à ce qui s'est dit hier. Il y a eu deux fois la même question en 5 minutes. Et la question, c'était en gros, est-ce que je peux aller dans le non-faire? Ralentir le faire, et pour une personne c'était oui, pour l'autre c'était non. La réponse, ça dépend de chacun. Si tu sens que l'élan du cœur, c'est que ça a envie d'être, ça veut exprimer le fait d'être en relation avec l'autre et ça veut se vivre comme ça va être le chemin d'éveil pour toi.
Si tu sens que tu as déjà beaucoup, beaucoup fait de relationnel dans la vie et que ça a envie de se poser, mais c'est pas une fuite, c'est que ça a envie de se poser, alors c'est la bonne réponse pour toi. Mais la réponse, elle est là, il n'y a pas de réponse toute faite. Mmh. Tu vois ? Donc si tu sens que ça part d'une fuite, mais il faut vraiment que ça soit là, parce que, attention, les gens ont tendance à te dire, je sais, est-ce que je suis allé en ashram pendant 3 ans, tout l'entourage en Occident, il te dit, oui, tu fuis la réalité. C'est tout le temps. Hein. Ouais. On est tous sur le droit. Ouais. Ouais, c'est classique. Donc en fait, oui, quoi qu'on fasse, on tue la réalité, c'est ça que tu veux dire ? Non. 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 C'est quoi là ? J'ai pas compris. Mais de toute façon, c'est les autres qui projettent. Ouais, ouais, c'est les autres qui projettent leur propre concept sur toi. Quoi. D'ailleurs, souvent, si tu grattes un peu, les autres, ils aimeraient bien faire la même chose. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas justement. Il y a trop de peur ou de choses comme ça. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est ici que ça doit. Ça, c'est ici que ça sait si c'est juste. Et je m'applique à sentir ça, mais en fait, ça fait comme pas de différence. Entre quoi et quoi ? Bah, je sais pas, j'essaye de sentir l'ouverture du cœur, quoi. Enfin, alors, c'est l'élan ou c'est... Et en fait, ça bouge pas. C'est le discernement qui va t'aider à ça. Ça au fur et à mesure, ça s'affine. Hein. Ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Hein. D'accord. Bah ouais. Mmh. Si tu passes par où tu passes, ce que tu décris, tout ce que tu décris, forcément, c'est déjà en train de s'affiner. Mmh. Ok. Bah ouais. Merci, j'enlève le doute. Hop. Voilà. C'est ça. Bah ouais. C'est vrai. Ouais. Ah non, c'est vrai. C'est les gens, ils se moquent souvent de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il parle souvent de choses très profondes, en fait, avec sa façon de l'exprimer. Et des fois, c'est un peu... c'est comme c'est ça. Brouillon. C'est un peu brouillon, ouais. Mais des fois, il dit des choses vraiment très, très justes, même dans la façon de le dire. Et il y a un moment donné, il exprime justement l'élan qu'il a eu de tout quitter. Il faut quand même y aller, tu vois. À 17 ans, il quitte tout. Il ne parlait pas anglais et il va aux États-Unis pour être une star de cinéma, sachant qu'il... Il n'avait pas le physique qu'il a maintenant, il était tout maigrichon, il n'y avait rien potentiellement. Il n'y avait rien. En plus. Et belge. Belge en plus. Je crois qu'il l'a dit lui-même. Il le dit. Et il le dit aussi. Il en rigole lui-même. Ouais. Enfin, je trouvais ça, voilà. Et maintenant, je comprends. Enfin, je dis, mais en fait, oui. Ouais. Et donc, on lui pose la question, mais comment t'as pu avoir le courage de faire ça, quoi, de tout, faut quand même y aller, tout quitter, tu connais personne, t'arrives là-bas. Et en fait, il dit quelque chose de très vrai et qui ça parle à tout le monde, ça. C'est, il a pas écouté ce qu'il dit, les bruits du monde. C'est-à-dire les blablas des gens qui te donnent toujours leur avis, mais le silence du cœur, ou de l'âme, je ne sais plus ce qu'il dit, le silence de l'âme ou du cœur. Il n'a pas écouté les bruits du monde, il a écouté le silence de l'âme. Et c'est là où la réponse, elle est là. La plupart des gens, quand ils m'écrivent et qu'ils sont vraiment paumés, complètement paumés, il y a des gens, vraiment, ils ne savent plus du tout dans quelle direction aller, quoi faire. Tu sais, il y a plus rien, quoi. Et à chaque fois, la réponse, automatiquement, c'est reviens en silence, quoi. Reviens... Arrête toute perturbation et reviens là, quoi. Reviens à 0 cm ou peu importe comment on le dit, au cœur du cœur, quoi, peu importe. Et là, ça a la réponse. Mais même si tu crois que tu reviens pas, parce que tu peux être à ce moment-là perturbé par pas mal de choses, de toute la manière, la vie, elle s'en charge. J'ai envie de dire que la vie, elle s'en charge. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il y a un moment, il y a une évidence, il y a même de la évidence avec une joie, mais tu fais waouh!
Oui, enfin, c'est... Oui. Voilà. De toute façon, toutes ces phases-là, elles sont impermanentes. Mm. Toutes les phases de... les tourbillons, des fois, il y a des phases d'angoisse qui peuvent sembler très fortes et puis durer un certain temps. C'est facile de décoller de ça. Ouais, mais c'est important aussi de réaliser que c'est forcément impermanent. Forcément. Mm. C'est ce qui apparaît au sein du ciel ne touche pas le ciel. C'est, peu importe la météo, tu vois. Ouais. Le mental, il va te dire, il y a des nuages. Mais est-ce que le ciel, il est moins bleu parce qu'il y a des nuages? Le mental, il va dire, oui. Mais ici, ça c'est, non, évidemment. Enfin, même ça, le discernement sait que le ciel est toujours bleu, qu'il y ait nuages ou pas nuages. C'est toujours la même chose, c'est pareil. La question, c'est, est-ce que tu t'identifies à la météo? Ou est-ce que tu restes le ciel que t'es, l'espace vaste qui voit tout ça traverser, bouger, etc. Ouais. Le ciel, il n'est pas touché, il s'en fiche, hein, qu'il y ait un orage ou pas. J'entendais tout à l'heure dans ce qu'elle disait, et là aussi dans ce que tu dis, pour moi, ça résonne avec la peur de mal faire. Ouais. À chaque instant, il y a le truc de dire, bon, il y a un élan qui est d'aller vers telle chose ou telle chose, et tout de suite, derrière, il y a le truc, mais regarde, tu es en train de faire une connerie. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce truc qui retient et qui, justement, empêche. Alors, est-ce que c'est un mécanisme que... Enfin, j'imagine que c'est bien un mécanisme que j'ai appris, comme tu disais, étant enfant, où on te dit, non, fais pas ça comme ça, c'est pas bien. Et du coup, ça coupe l'élan du cœur, quoi. Oui, quasiment tout le temps, si tu te poses la question, c'est maman, papa ou frère et sœur qui m'ont dit ça. Voilà. Tu vas avoir la réponse, hein, tu vas te rendre compte que c'est toujours une idée plaquée sur cet élan, quoi. Mais justement, c'est intéressant, ce regard des autres, justement, sur nous. Moi, ce qui me vient ces derniers temps, de plus en plus, c'est... quand je suis en conversation avec des gens, j'ai l'impression que tout est faux en fait. C'est-à-dire, en fait, ils me voient, ils plaquent des choses, mais c'est pas ce que je suis, quoi. Enfin, et du coup, je me sens. C'est comme si je les trahissais, quoi, quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît qui n'est pas du tout la réalité. Ouais. Et du coup, il y a un malaise, un peu, de. Ouais, tout est faux, quoi. C'est faux, c'est comme s'il y avait le rôle qui était... J'ai envie de leur dire, mais non, moi, je suis pas ça. Puis en plus, je vois que je fais des choses pour leur faire plaisir. Non, mais en plus, c'est-à-dire pour les laisser dans leurs croyances. Non, mais tu vois le truc. Ouais. Et ça c'est c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe avec ça. Ouais. Et ça procède d'une affirmation intérieure qui est forte, et au contraire, plus tu vas affirmer ça, plus tu vas pleinement pouvoir jouer le rôle. Ouais. Tant que ce sera un peu mélangé, ça va créer justement une dissonance. C'est ça en fait. Mais au moment où tu vas vraiment affirmer je suis la conscience, et tu vois, en fait, ça c'est l'histoire de quand Jésus enseigne dans la foule et qu'il y a quelqu'un qui lui dit ta mère est arrivée. Et là, Jésus, quand il parle à ce moment-là, il n'est pas Jésus le bonhomme, c'est la conscience absolue qui parle. Donc automatiquement, qu'est-ce que dit je suis? Qu'est-ce que dit la conscience absolue? Qui est mon père? Qui est ma mère? Il n'y a pas la lignée parentale. Tout ça, ça ne veut plus rien dire, quoi. Mais pour autant, ça joue son rôle quand même. Donc il y a à la fois ce que tu es, la conscience absolue qui sait, tu sais ce que t'es. Mais en même temps, tu peux totalement jouer ton rôle et il n'y a aucun mal à faire plaisir. Et puis t'es pas là non plus pour forcément bousculer tout le monde dans leurs croyances. Puis de toute façon, ça aide pas forcément. Tu vois, tu peux pas secouer tout le monde et leur dire. Ce serait pas du tout compris en plus. Ça marcherait pas. Par contre, ce qui peut se faire. Sur la mort même, des choses comme ça. Voilà. Ouais, il y a des gens à qui tu peux en parler, d'autres non. Moi j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, et là il ne s'est rien passé, quoi. Il y a une tristesse qui est apparue, qui est restée un mois, mais
j'ai le sentiment qu'il ne s'est rien passé et du coup c'était en dissonance par rapport à ce qui était attendu à l'extérieur. Donc il fallait faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sentais que ça cherchait quoi, un petit peu en face. Oui. Non mais non, parce que ça fait écho justement aux autres. J'ai accompagné un petit peu une personne qui est passée de l'autre côté et qui avait un... Enfin, passé de l'autre côté. Oui, évidemment, en tant que la conscience, on va dire... Dans son enveloppe charnelle. Voilà, elle a quitté son enveloppe charnelle, comme on dit. C'est une expression. Mmh. C'est pas totalement comme ça que ça se passe, mais... Enfin, vous avez compris. Donc tout le monde était en panique. Il y avait mon oncle qui était à côté. Quand on sortait de la chambre d'hôpital, il me disait ça me glace, tu vois. Ça me fait écho de voir une personne comme ça vivre les derniers instants dans sa vie physique et tout ça. Et comme quand j'avais 24 ans, je fais beaucoup d'expériences en dehors du corps. Automatiquement, quand j'entends le mot mort, il y a un sourire ici, parce que je sais ce qui se passe et je sais que c'est joyeux. Et même ce matin au petit déjeuner, Muriel, elle employait le mot mort parce qu'il y a un dépouillement, on va dire, qui se fait sur le chemin. Il y a des petites morts. Et donc, automatiquement, c'est joyeux. Parce que c'est libre aussi. Et là, cette personne, elle l'a senti. C'est-à-dire qu'elle a senti que c'était totalement paisible ici. Et donc, ce qu'elle m'a dit dans l'oreille, peu de temps, je crois que c'est le lendemain qu'elle a quitté le corps, en fait, elle m'a dit merci de ta présence. En fait, ça, tu peux. C'est le plus beau cadeau en fait à offrir au monde, c'est juste la présence, tu vois. L'arbre il offre la présence. T'offres la paix, quoi. T'offres pas la guerre. Et ça, les gens le sentent. Et ça parle des fois, même ça parle souvent beaucoup plus que de parler et d'expliquer. Ouais. Surtout les gens qui sont pas du tout là-dedans. Et dans toutes les relations que tu vas vivre, par exemple avec la famille, il y a les schémas, les interactions familiales, beaucoup de projections de peur. Dès le moment où toi, tu auras désamorcé les peurs familiales, on va dire, et ben, dès qu'il y a une projection sur toi, ça va comme plus marcher. Ça va plus fonctionner, il n'y aura plus d'écho. Et donc la présence va faire en sorte que chez les autres aussi, ça vient de mettre en lumière ces peurs et ça fait que ça se libère automatiquement. Si l'autre veut bien voir aussi, tu peux jamais être personne en vérité. On n'est personne. C'est toujours à... Chaque un qui fait... qui est une lumière pour lui-même, quoi. Donc la présence, c'est vraiment... c'est le mieux, quoi, en fait, que tu puisses faire dans ces cas-là. Pendant des années, moi, j'étais beaucoup à être très gentil pour essayer d'adoucir les angoisses de ma mère ou les peurs et tout ça. Puis avec les gens, j'essaie toujours d'être le bon gars, comme on dit, tu vois. Et je suis en Inde, après avoir fait 3 ans de retraite, j'ai vraiment vu tout ça, toutes ces mécaniques-là. Et puis je reviens d'Inde. Et puis là, il y a ma mère qui avait rencontré quelqu'un pendant que j'étais en Inde, c'était une amie, comme ça, et puis elle voyait souvent cette amie qui avait fait, je sais plus, 30 ans ou 40 ans de psychanalyse et qui se connaissait à fond. Et donc... Et donc là, j'ai le droit
regarde, il fuit la réalité. Et là, pendant 20 minutes, ouvertement, comme ça, elle me fait mon procès devant ma mère. Mmh. Comme ça. Et ouais, ton fils, c'est pas vraiment un adulte, tu vois, il veut pas travailler, avoir des enfants, payer ses factures. Ouais. La totale est passée. Et puis, avant ça, j'aurais sans doute rien dit, tu vois, parce que j'étais le bon gars, tu vois, qui voulait pas semer le trouble. Et puis là, vraiment, c'est pas passé par le mental, elle a parlé pendant 20 minutes, et après, quand elle a arrêté de parler, elle m'a dit... Bon, et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis rien, tu vois. Et là, moi, j'étais pas du tout dans le mental. Je sentais que ça touchait rien. Ce qu'elle me disait, c'était vraiment comme si elle parlait d'un étranger, quoi, tu vois. Et puis, juste simplement, ça a dit très calmement: j'en pense que vous devriez vous occuper de vos oignons. Et là, ça lui a fait un écho. Elle a plus parlé pendant des heures. Et en fait, c'était la première fois que je la voyais, et après, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui passait son temps à s'occuper des oignons des autres. Et à aller, parce qu'elle-même, elle n'était pas bien avec elle, et elle voulait toujours prêcher la bonne parole pour les autres. Et donc, c'était vraiment pile poil le truc qu'il fallait qu'elle entende, quoi. Et depuis maintenant, elle me dit plus jamais rien, elle me fait plus jamais, c'est vraiment. C'est harmonieux. Donc, tu vois, quand c'est à partir de la présence, c'est harmonieux. Des fois, l'amour peut être très... ou la paix peut être très tranchante. Ouais. C'est pas toujours « oui, le bon gars », tu vois, c'est... Non, c'est, des fois, c'est... Ouais, mais c'est... Enfin, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, ouais, on est considéré comme des objets, d'autres objets, et tout ça, et voilà. Et c'est un peu perturbant, des fois, de... Enfin, je sais pas. Ça ne devrait pas réagir, peut-être, je ne sais pas, mais ça réagit. C'est dire, voilà. C'est... Par contre, c'est intéressant de voir comment ça réagit. Ouais. Intérieurement, qu'est-ce que ça... Il y a quelque chose en toi qui dit « je suis supposé faire comme ça ». Je suis supposé agir aux yeux du monde comme ouais, ça. Ça voilà. Et il y a quelque chose en toi qui dit « bah non ». Bah non, c'est pas ce que je vis, quoi. Ouais. Alors après, tu peux voir la mécanique qui fait que tu es supposé agir comme ouais, ça. C'est ça, voilà. Tu vois, quel est le rôle dans lequel t'es mis, qui est supposé, ouais. Dans lequel tu t'es mis, qui est supposé répondre à ça, quoi. Tu vois, quel petit personnage tu t'es créé. Ouais, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un petit personnage. Le petit personnage est illusoire et faux, c'est une création. Mais en fait, il y en a plein selon les relations que vous avez. Oui. Mmh. Les différents masques. Et Pierre, est-ce qu'il n'est pas seulement intéressant des fois de goûter? J'ai peur, je goûte cette peur une fois. Après, si je continue, je rentre dans une victimisation et que je m'enferme dans un schéma de quelque chose qui... Oui. Ouais, mais là, c'est pas une peur. Là, il y a une mécanique qui se met en place de « je suis supposé agir comme ça aux yeux du monde ». Là, c'est pas une peur que tu décris. Non, pas du tout. Mais une peur ou autre chose. Ça peut être une émotion. Oui. Même culpabilité, par exemple. Ouais. De toute façon, en réalité, ça, dès le moment où c'est conscientisé, ça pourra plus marcher bien longtemps après. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que quand tu vois la peur, en fait, c'est que tu commences déjà à en sortir, parce que tu commences déjà à être point de vue extérieur de la peur elle-même. C'est pour ça que c'est si important de voir. Dès que tu vois, tu fais ça. Tu vois, tu sors du tableau déjà. Alors que quand tu es dedans de manière un peu inconsciente, là t'es complètement dans l'illusion. Donc quand tu vois l'illusion, c'est que tu en sors, en réalité. Donc c'est là que, au contraire, il n'y a pas à culpabiliser, parce que au contraire, c'est vu. Tu vois, souvent les gens ils disent ouais, mais c'est horrible parce que je continue à faire de la compensation. Et pourtant, je suis beaucoup plus conscient qu'avant. Mais justement, plus tu es conscient, plus tout te saute aux yeux, quoi. Et c'est pas horrible, c'est comme ça que tu vas t'en libérer. Si tu le vois pas, tu peux pas. Comment tu peux te libérer de liens que tu ne vois pas? Tu vas au moins voir que tu es attaché pour pouvoir t'en libérer.
ça engendre de la douleur d'être conscient. De voir des choses. Ouais. Ça dépend. Ça peut être vu sans saisie et vu avec saisie. Ça dépend. Si ça brode avec justement quelque chose qui... Parce que là, ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une fois, je me mets dans le rôle du personnage spirituel. Le personnage spirituel n'est pas supposé avoir des mécanismes de compensation. Voilà, donc tu te fais encore reprendre par un ego subtil. Tu n'es même pas un personnage spirituel. Tu ne fais même pas de chemin spirituel. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de réalisation, il n'y a que maintenant. Ça déménage, ça. J'ai envie de partager sur ce que tu vois, parce que c'est ce que je vis à plein tube depuis un an. En tout cas, dans ce que tu exprimes, je l'ai traversé, dans ce regard d'auto-jugement sur comment ça réagit face aux événements des circonstances. Et au début, quand c'est arrivé l'été dernier, ça a commencé à réagir et que tout était vu, senti dans l'intensité de maintenant, du maintenant, c'est-à-dire dans la réalité de ce qui était, senti dans le corps, vu dans toute l'expression d'horreur, hein, des fois, je sais, mais comment ça peut dire des choses comme ça. Et en fait, le jugement était vu, et il y avait quelque chose, quand la scène se terminait, déjà je voyais, je sentais toute l'intensité dans le corps se produire face à la situation, qui me paraissait à la fois juste, à la fois un côté réactionnel, c'est-à-dire ça dansait dans tous les plans, mais tout était vu, et quand la scène était terminée, j'allais dire, j'entrais dans la caravane, je disais, wow, quelle intensité, enfin il y avait quelque chose qui avait goûté, ça se goûtait tout le temps en fait, et le jugement, des pensées qui pouvaient dire, mais comment t'as pu agir ou réagir de cette façon, passait comme une lettre à la poste en fait, c'était vu, et en fait c'était vu de ce que j'étais vraiment, goûté du plan qui est toujours là, dans cette paix. Et ça, c'était reconnu, en fait, parce que j'avais eu cette reconnaissance du soi avant. Et du coup, ça s'est intégré d'une façon assez, j'allais dire au début, brutale, c'est-à-dire c'est brut. C'est brut parce que ça m'arrive comme une matière que je n'ai pas encore goûtée dans cette intensité. Donc ça fait un peu grossier, au départ, comment j'ai pu goûter tout ça. Et après, j'ai su tout de suite que c'était comme ça que la vie, pour l'instant, elle traversait l'existence, en tout cas ce qui m'habite, et que tous les conditionnements étaient mis en branle, c'est-à-dire en résonance, étaient vus d'une façon très claire, goûtés, mis en lumière en fait. C'est exactement ce que dit Pierre. Moi je l'évoque là dans un vécu, on va dire, permanent, au quotidien maintenant, en plus avec ce qui se vit dans le corps. Ça peut paraître, et je fais écho à ce qui vient d'être dit aussi par France, j'en parlais ce matin, comme quelque chose de pas agréable. En fait, ça m'est renvoyé avec une telle intensité, je sens tout ce que l'autre voit, pense, je vois si c'est faux, bref. Et comme je rentre en résonance directe, je regarde, tout de suite c'est vu aussi avec mon histoire. Quel est le reste d'histoire qui est encore en résonance avec l'autre, qui fait que j'ai envie de lui dire que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire, parce que je vois complètement l'histoire de l'autre. Moi, je vois les bouts de reste d'histoire de moi qui sont encore là, existants. Et tout est goûté et senti tellement intensément que je ne peux pas m'échapper de là. Maintenant, c'est maintenant tout plein. La complétude, c'est complet avec aussi toutes ces... Je fais ça parce que c'est comme s'il y avait... les personnages, les histoires, les résonances, ce que le monde qui est que moi en fait, hein. Et tout ça c'est vu et goûté. En tout cas, je peux pas m'échapper de. Non mais complètement, mais en fait je parlais de, enfin moi je parlais de des relations de tout le monde finalement. Mm-hmm. Enfin je parlais pas des problématiques personnelles. Mm-hmm. C'est de ce paradoxe permanent où on parle, finalement chacun de nous parle à l'infini, mais sans savoir. Quoi. Mm-hmm. Oui. Et que la plupart des gens ne le savent pas, donc du coup ça crée des fois un sentiment de complètement fake, quoi, c'est faux, c'est... Ouais, mais qu'est-ce qui fait tout ce jeu?
C'est pas parce que les humains ne sont pas conscients d'être l'infini que c'est pas l'infini lui-même qui joue tout ce jeu. Il joue à ça, oui. Donc tu peux le voir aussi comme ça. Peut-être, ouais, peut-être. Tu baignes pas du tout dans un monde d'inconscience. L'inconscience fait partie de la conscience. C'est fait exprès. Et c'est ça la beauté qui est cachée derrière ça, c'est qu'on a l'impression que c'est... par exemple, que l'humanité en ce moment a fait quelque chose de chaotique aux yeux du mental, mais non. Non. Non, c'est parfait. C'est le déroulement qui doit avoir lieu pour cette civilisation-là. Et justement, en ce moment, c'est la conscience se conscientise là de plus en plus, quoi. Elle se révèle de plus en plus. Mais il n'y a aucun problème avec... qu'est-ce qui tire les ficelles? C'est le petit moi, il a toujours l'impression que c'est lui qui tire les ficelles, mais en fait, non. C'est pas l'ignorance qui a mis Donald Trump au pouvoir de l'Amérique. C'est pas l'ignorance. C'est la conscience absolue. Les gens ils pensent que tout ça, c'est lié à tes consciences, hein. À hasard et tout ça, mais non. C'est, tout ça, ça fait partie du process. Il n'y a rien qui est fait... Bon, on a le droit de douter de sa politique, quand même. C'est ça, qui doute ouais. Qui doute. Dès que tu reviens en plan humain, ce que je dis est inaudible. Dès que tu reviens en plan humain, c'est inaudible. Oui, parce que qu'est-ce qu'on en fait ici sur Terre ? Très souvent, j'ai le coup de oui, mais tu dis que tout est parfait, comment tu peux dire ça ? Si tu restes au plan humain et matériel, si tu penses qu'il n'y a que le film pour le film et que la fin en soi elle est dans le film, tu comprends rien de ce que je dis, quoi. C'est impossible. Mmh. C'est impossible. Évidemment, dans le film, tout n'est pas parfait. Le relatif ne peut pas être parfait. Mais la perfection, elle n'est pas là. En fait, ça devient parfait quand tu comprends que c'est la conscience en arrière-plan qui anime tout ça. Quand je dis en arrière-plan, c'est-à-dire absolu, sans forme. Et la conscience sans forme parfaite, elle anime tout ça. La substance qui crée tout ça est parfaite. En fait, la vie ne fait pas d'erreur. Quand tu dis ce monde est chaotique, etc., tu affirmes Dieu s'est planté. En fait, tu dis Dieu s'est planté, moi je sais, ce qui est juste. J'ai pas dit ça. Non, mais je dis ça, c'est la plupart des gens, c'est ce que je dis. Tu n'es accusé de rien. Je pose une question et j'ai l'impression, c'est rigolo ce qui se passe depuis tout à l'heure, parce qu'on rajoute des choses là. Et j'ai l'impression. Que... Je sais pas, je sens qu'on s'éloigne de... C'est rigolo. Tout le monde y va avec ses... Parce que je réponds pas qu'à toi. Ah bon. Il y a rien de personnel. Exactement. Bon. Il y a la croyance aussi que si je reconnais que tout est parfait, je parle pas pour moi, mais souvent chez les personnes, il y a une résistance à dire ok, tout est parfait, parce que c'est comme si j'avais cessé d'agir sur le monde, et c'est comme si j'arrêtais de croire au film et le film va s'arrêter de jouer. Mm-hmm. Souvent ceux qui réagissent le plus, c'est les personnes par exemple qui sont dans une cause humanitaire ou écologiste. Oui. Alors que, parce qu'en fait, quand ils font ça, c'est ça qui est énorme, c'est que effectivement, la conscience n'est pas dans le film, mais le corps est du film, est dans le film. Donc en fait, ils sont en train d'extraire eux-mêmes sous forme de ce corps du film, mais c'est pas possible. Et donc ça fait partie intégrante de tous les rôles qui se jouent dans le film. C'est pour ça qu'il faut jouer son rôle sans y croire dans le film aussi. Ça fait partie intégrante de l'harmonie, si tu veux. Si tu as l'élan de faire des choses écologiques dans le film, tu peux très bien savoir que c'est faux, mais tu le fais quand même. Ouais.
ça part. Ça y est, c'est ça. Ouais. Ouais. Plus dans le jeu. Exactement. Mmh. Tu peux très bien savoir que t'es pas dans le jeu, mais tu joues le jeu quand même. Mmh. Et c'est là que le jeu il est savoureux, parce qu'il y a pas d'enjeu justement. Ouais. T'es pas dans le jeu, il y a pas d'enjeu. Y a personne, pas d'attente, y a rien de tout ça. Donc faut être dans le jeu sans enjeu. Mais comment avoir cette conscience justement que allez, je vais me lancer dans une cause écologique en disant que c'est une bonne chose, enfin, que j'ai élan et en même temps en gardant la vue que ça sert à rien ou que ça n'a aucun résultat et que donc. Parce qu'en fait, tu confonds encore la joie qui va arriver à travers un faire avec la joie d'être. Et le fait d'avoir un élan, par exemple, écologique, s'il y a la joie d'être avec ça, si cet élan écologique, il y a la joie d'être en simultané, en même temps, ça veut dire que c'est ça ce qui doit être fait. Mais la joie d'être, elle est déjà maintenant. Si tu veux. Ma compagne est très, très, très dans le côté écologique et le côté... tu vois, recyclage, tout ça, enfin vraiment tous les trucs zéro déchet, tous les trucs comme ça. La tête pour pas détruire l'environnement, c'est ça. En essayant d'être content avec moi-même, en disant, oui, gentil, oui, non, c'est pas là, c'est justement ça se fait pas à partir d'un rôle, ça se fait pas à partir de je suis supposé agir comme ça pour être un gars bien. Là, ça te. Est-ce que c'est ça que tu essaies de faire? Oui, je suis supposé. Non, il y avait une époque, je faisais gaffe, j'allais en Inde à vélo en me disant je prends pas l'avion et tout. Et là, finalement, sur les cartes de travers, bah aussi quand même, parce que. Ouais, surtout quand tu passes par les Himalayas, c'est un peu chaud. Bah, c'était ça, quand il y a eu l'idée, il va falloir traverser le Pakistan, ça commence à être franchement difficile. Comment passer par la Chine et donc faire la France. Ouais, parce que l'Inde c'est une île, politiquement oui, c'est une île, c'est difficile de rentrer par la. Enfin, ouais, ouais. Bon, j'ai fait un avion quand même. Enfin, voilà. Ouais. Par exemple, et puis finalement, évidemment, j'ai fait des allers-retours en Inde, je sais pas tous faire à vélo, sinon je serais venu une fois, je serais revenu, puis c'est tout. Ouais. Où j'aurais passé mon temps à faire des allers-retours, je rentre, je ressors. Ce genre de truc, sachant que mon intérêt c'était pas d'y aller. C'était pas le vélo. C'était d'aller expérimenter le yoga, ce genre de choses, donc le nom du cœur c'était ça. Ouais. Et tu vois, le fait, l'expérience vélo, il y a eu de la joie quand ça s'est vécu. À 100%. Ouais, voilà. Ben, en fait, le but c'était pas l'Inde dans l'histoire, c'était le vélo. Se mettre en mouvement, il y a très souvent un besoin, un élan de je veux aller là-bas. Donc j'y vais, si j'ai pas de je veux aller là-bas, je vais aller nulle part. Je vais rester où je suis. Ouais, de toute façon, peut-être. Mais même si t'es là-bas, si tu vas là-bas, t'es. Ça change rien. En fait, tu bouges pas. Ouais. Ça s'est fait en tout cas. Ouais. Ouais, j'ai envie de vous partager ce matin. C'est revenu ce que vous partagez de OK. Je touche un endroit où, par exemple, comme toi tu disais hier, je me vois dans le miroir et puis j'ai un moment, ah bah oui, ok, c'est pas moi. Et de prendre le temps de goûter ça. Et,
et je vois qu'en fait, très souvent, je suis dans une quête. Et quand ces moments-là arrivent, qui en plus arrivent très régulièrement, plusieurs fois dans la journée, je ne me pose pas toujours à l'intérieur. Mm-hmm. Alors que c'est la véritable joie, en plus, que je quête. Mm-hmm. Ouais. Enfin, donc là, ça me fait vraiment faire retour. Et j'ai l'impression que ça m'a fait tomber, vraiment, tomber les bandes d'illusions. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu toutes les pensées qui arrivaient. J'en ai saisi quelques-unes. Je commençais déjà un film avec mon fils, et à repenser que ce soir, il faut que j'envoie un mail, Et puis, voilà, c'est important pour moi de pouvoir aussi faire le focus sur répondre à ce que la situation me demande, etc. C'est pour ça que c'est pas OK pour moi de partir complètement dans l'arrière-plan aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est qu'une étape. Hein. C'est pas du tout la réalisation de rester dans l'arrière-plan. Ouais. Il y en a beaucoup qui restent bloqués là. Et, oui. Et du coup, à un moment donné, ils sentent un gros mal-être. Ouais, c'est ça. C'est normal parce que... Voilà. La conscience est en train de dire c'est pas fini. Ouais. Ouais. Moi j'ai le sentiment que c'est comme si j'avais déjà vécu ça, de vivre vraiment dans l'arrière-plan, mm-hmm. Pas forcément dans cette vie, mm-hmm. et que dans cette vie-là, il y a toujours eu les appels de sentir être. Mais j'ai jamais plongé dedans parce que c'est comme si je sentais que mon boulot il était de pouvoir en même temps trouver le juste équilibre avec le focus pour quand même réaliser les choses et fonctionner avec ce monde matériel. Mm-hmm. T'es pas obligé de l'appeler un boulot, mais tu peux... Ouais. Mon jeu, ouais. Mon jeu. Ouais. Ouais. Et là, c'est je prends conscience de ça, là, avec nous, là, et c'est comme si je me réautorisais à goûter vraiment pleinement ces moments-là, et à, enfin, ouais, il y a vraiment merci, quoi. Vraiment merci, parce que... Et du coup, ce matin, donc, j'ai vu les pensées, et donc j'ai essayé d'accrocher parce que j'avais vraiment envie de pouvoir goûter aussi ça. Parce que je sens qu'au niveau de l'énergie, etc., en fait, sinon il y a un épuisement, en fait, justement, à essayer d'aller dans l'autre focus, et puis je repars de l'autre côté. Enfin, et en même temps, je suis, mais quand même dans toujours ce truc-là de faire qui n'est pas ça. Et puis juste, ça regarde par la fenêtre, et puis je sens que... Ah, là, j'ai vraiment capté, j'étais dans cet espace-là que l'oiseau traversait. Donc je me dis, au lieu de repartir, me lever tout de suite et de me dire, je me prépare et tout, je me laisse goûter ça. Et je suis restée vraiment à m'installer là-dedans, à me lever avec ça. Et j'ai observé tout ce que je faisais dans la matinée, que ce soit ranger les couvertures, faire chauffer l'eau, etc. Et en fait, ça se fait tout seul. Et ça me rappelle vraiment que les choses se font tout seul. Et en même temps, je voyais bien que ça me demandait de garder un certain focus, mm-hmm. sur la façon dont je plie la couverture, sur trouver l'élément dans lequel la mettre, me rappeler où est-ce qu'il fallait la ranger. Et puis en même temps, l'heure qui passe avec l'heure du satsang. Et c'est vraiment une danse et en même temps garder le sentir de l'être. Enfin, voilà. Voilà, j'ai juste envie de témoigner de cette... Tu vois, tu dis que tu as pris juste un petit temps pour goûter, en fait. Tu as pris un petit temps avec l'oiseau, là, tu as pris un temps pour revenir là, et puis à partir, à agir à partir de ça. En fait, c'est. Très souvent, ça procède juste d'un tout petit. Ouais. Un tout petit truc, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour être la présence. En fait, on l'est déjà. Pendant longtemps, avec Gérald. Au début, il me disait, tu sais, l'idée de ne pas être réalisé, en fait, ça procède d'une amnésie. Enfin, tu vois, le fait qu'on ne croit pas, ou qu'on ne réalise pas, ce n'est pas une croyance, mais qu'on ne réalise pas qu'on ait la conscience déjà réalisée, en fait, c'est comme si on s'oubliait, on oublie, en se projetant dans l'image. On se projette dans l'image. Et une image ne dit rien à propos de ton vécu.
quand bien même ce serait l'image que tu vois dans la glace, l'image que tu vois dans la glace n'est qu'une image. Elle ne dit rien à propos de ce qui se vit au cœur du cœur. Tu vois. Et la mémoire, alors Et juste la sensation aussi physique qui s'accompagne, c'est vraiment une plus grande légèreté. C'est vraiment, j'ai pas apporté la vie. Ouais. Et quand il y a eu cet espace dans lequel l'oiseau traverse, j'ai vu l'oiseau faire son nid, j'ai vu la fourmi organiser sa fourmilière, vraiment j'ai vu qu'ils n'étaient pas en train de penser à comment ils allaient organiser tout ça, mais que tout ça se fait dans une intelligence parfaite. Oui. Mais ça je le sais depuis des années, je veux dire, j'ai déjà analysé, j'ai déjà regardé, observé le système humain, passé des heures à regarder un truc, regarder des documentaires, me dire ah ouais ils font ça naturellement, etc. Mais là c'est juste que vraiment j'ai senti une reliance dans le cœur, enfin juste que j'étais attentive à ça à ce moment-là et j'étais l'oiseau qu'il faisait de façon complètement simple et fluide et je me disais, ah bah oui mais moi aussi je peux faire ça en rangeant mes couvertures, mais moi aussi j'ouvre mon frigo, mais c'est la même chose que mettre ma petite brindille et waouh yaho. Et il n'y a rien avant et après. Tu vois. Après avoir fini son nid, l'oiseau ne se dit pas c'est moi qui ai. Après avoir rangé la maison, tu n'es pas obligé de te dire ah, j'ai rangé, j'attends l'approbation de mon conjoint. Je veux dire, j'attends le petit sucre de la vie, quoi. Tu vois, c'est bien, tu as bien fait. Non, le karma yoga, en fait, tu es en train de décrire exactement ce que c'est que le vrai karma yoga, l'union dans l'action. C'est-à-dire que tu es en union, même ça, c'est, on va dire que tu es en union avec la vie, même si ce n'est pas vraiment juste, puisque tu es la vie qui agit. Et donc, ça se fait, et ça fait de soi-même. Ça fait de soi-même. Oui, il y a des images aussi qui apparaissent, par exemple, quand il y a des choses qui commencent à s'accrocher, à voir s'accrocher comme ce que tu as dit, par exemple, je vais poser la couverture là, ah oui, un tel m'a dit que, et puis tac, il y a un truc, ah oui, comme ça, il sera content, et moi, je serai bien vue. Et là, je vois un petit ciseau dans l'air, c'est comme s'il y avait un ballon, et je fais clac, et le ciseau, il coupe, mais c'est des images, ça se fait tout seul, hein, ok, bon, c'est bon, ça, il n'y a pas besoin. Et dans le truc de fonctionner, de cette histoire de focus, c'est par exemple, il y a une réponse qui est attendue pour que l'avocate puisse faire son travail après-demain, parce qu'il y a un ordre des choses, un tel doit appeler tel jour, il y a un rendez-vous qui doit être donné, l'avocate elle envoie tant le courrier. Moi je suis censée donner ça pour qu'elle ait 24 heures à le faire. Donc il y a un horaire et un temps, donc en même temps. Ça me demande de savoir quelle date on est et puis de regarder l'heure sans m'y attacher et sans que ce soit un poids. Oui. Faut, en fait, réalise que c'est toujours exactement le même vivant qui regarde les petits chiffres sur la montre qu'on appelle l'heure. Ça change rien. Tu vois effectivement des petites formes qu'on appelle des chiffres qui bougent. Ouais. Ça te dit rien à propos de ce que tu es réellement. La présence que tu ne bouge pas en fonction des chiffres qui bougent sur l'écran. Oui, ça change rien fondamentalement. Ça change rien. Ou la petite aiguille, si tu veux. C'est pas parce qu'il y a une petite aiguille qui bouge qu'il y a un temps. Oui. Non. C'est juste une aiguille qui bouge, quoi. Il semblerait. C'est ça. Le service des impôts, si on leur dit. Mai, juin. Le temps n'existe pas. C'est.
Et le corps physique, il a une... Enfin, et ses actions ont une... enfin, sont datables dans le temps, quelque part. Et c'est un référentiel utilisé par je sais pas quoi. C'est ça illusoire. Ça sert pour le film, ouais. Il semble. C'est quand même un référentiel. Ça, en fait, là, tu joues ton rôle dans le temps et l'espace, mais à partir de ce que t'es réellement, qui est hors temps et hors espace. Ah oui, oui, faut jouer son rôle. Exactement. Ouais. En fait, non, cette partie, non, je veux pas la jouer. Pour pas faire ma déclaration d'impôt, par exemple, c'est non, ça, je veux pas. Ouais. C'est partie de mon rôle, quand même. Oui, bien sûr. Oui, bah, ça fait la déclaration d'impôt, y a pas de problème. Et ça peut être très fun de faire la déclaration d'impôt. Ouais. Ouais. T'as jamais remarqué qu'ils ont mis une belle couleur bleu ciel sur les fiches d'impôts? C'est fait exprès, hein, ça n'a pas été fait au hasard. Ouais. C'est vrai, c'est fait exprès. Les fiches d'impôts. Ouais, la fiche d'impôt. C'est le fond, c'est bleu ciel. C'est fait exprès. Parce que le bleu ciel, c'est la couleur qui calme le plus. Ça calme. Ils n'ont pas mis rouge, par exemple. Oui, ça. C'est des malins. Ah voilà, tu peux contempler la fiche d'impôt aussi. Ouais, comme objet de méditation. Exactement, ouais. Ça, c'est pareil. Le compte en banque, par exemple, il y a beaucoup de tensions avec ça. Mais regardez pour ce que c'est. C'est juste des chiffres sur un ordinateur. Tout à fait. Si vous regardez sur votre ordinateur. Après, si vous commencez à rentrer dedans et puis à rajouter du concept, alors là, oui, ça peut prendre des proportions énormes. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire un gros chèque. Quand j'écrivais le chèque, c'était juste des chiffres sur un bout de papier et ça fait rien, quoi. Enfin, je veux dire. C'est rigolo, j'essaierai la prochaine fois. C'est la sécurité sociale, par exemple. Enfin, l'assurance maladie, parce qu'en plus, les termes, ils sont quand même assez bien. Enfin, c'est pas mal, hein. Ça serait plus l'assurance santé, ça serait mieux. Bon. Ah oui. Enfin, bon, tout est juste, donc. Ceci dit, là, par exemple, je suis arrivée en fin de droit. Puis il y a quelque chose en moi qui a dit, ben, on s'en fout. Parce que finalement, ce qui doit arriver arrive, et puis ben, la vie m'apportera ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et alors il y a le mental qui vient dire, mais t'es folle. Mais en même temps, ben, je n'arrive pas à faire les démarches, enfin, je peux plus, par exemple. C'est fini. Ça procède, on dirait que tout ce que tu vis, c'est là pour affiner ton discernement, pour aiguiser le discernement. C'est vrai. Toutes les pensées qui émergent, soit elles viennent de l'élan du cœur, il y a des pensées qui viennent de là aussi. Hein. Le premier éveil, ce qui m'a fait entrer dans l'éveil, c'était l'expérience que j'ai eue à 19 ans, et c'est venu d'une pensée. Et une pensée donc mentale, mais qui venait de là, et qui a dit, et si... j'arrêtais pour jouer de penser. Juste comme ça pour jouer, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de penser? Et juste à l'instant, juste instantanément, il y a eu la première expérience. Plusieurs personnes, entre guillemets, que je connais qui ont réalisé le soi, c'est procédé, il y a une pensée très impérieuse qui s'est élevée et qui a affirmé quelque chose. Et par exemple, plusieurs, par exemple, ont réalisé qu'ils n'avaient aucune emprise, aucune capacité de pouvoir s'éveiller par leur effort personnel. Oui. Tu vois, j'ai pas mal d'amis comme ça, ils ont réalisé comme ça. Ils se sont rendus compte que quels que soient leurs efforts personnels, ils n'ont aucun pouvoir de réaliser leur nature. Et là, à ce moment-là, ça se réalise. Mais... Donc il y a les pensées comme ça qui émergent du cœur, de la présence, de être, voilà. Et il y a les pensées qui émergent des conditionnements, de ce qu'on appellerait en Inde des samskaras, qui sont encore plus ancrés que les conditionnements, c'est-à-dire les tendances, les comme je suis supposé agir, tu vois, tous les trucs, quoi, comme ça. Et c'est ça qui doit être vraiment
reconnu, quoi, à chaque fois. Mais, donc là, tu es en train de me dire que j'ai bien reconnu ? Ou pas ? Je suis en train de me dire, reconnais, est-ce que cette pensée... De plus être à la sécu, ouais, est-ce que cette pensée, enfin, c'est vraiment, ouais. On s'en fout. Si on s'en fout, ça vient là, ok. Et par contre, la pensée, t'es folle, ma pauvre, ça, là, c'est conditionnement. Oui, ok, bon, tu vois, c'est bien. Là, tu vois, t'arrives à discerner. Oui. Voilà. Et là, tout devient plus clair. Il y a le dehors du cœur et puis il y a le mental qui dit, eh ouais, mais attention. Ouais, ça peut souvent arriver. Ouais. Ça peut arriver. Souvent, ouais. Et c'est souvent, en fait, très souvent, c'est en premier là et en deuxième là. Oui, c'est rattrapé. Ça va rapidement. Oh, c'est très rapide. Hein. Et toutes les expériences spirituelles qu'on a jusqu'au bout du bout, enfin, jusque vraiment au moment de la réalisation, elles sont rattrapées, en fait. Elles sont rattrapées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après, par exemple, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me parlait du Nirvikalpa Samadhi, qui est un état de méditation très profond, où il n'y a plus du tout conscience de dualité. Mais c'est encore un état, donc ça veut dire que ça va et vient. Juste après cet état, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une pensée qui est plus ou moins vue, qui dit « c'est à moi que c'est arrivé ». Et c'est comme ça que tu te fais rattraper à chaque fois. Ouais, mais ça, c'est là encore. C'est à moi le petit personnage, que c'est moi, à moi la personne que ça arrive. Ça, je sais bien que ça partira quand ça partira, enfin je veux dire... Oui, ça va. En fait, je peux rien faire pour que ça s'en aille. Ouais. Je le voudrais. Tu peux le voir. Ah, mais je le vois. Tu peux le voir qu'à chaque fois qu'il y a une expérience spirituelle, c'est rattrapé. Tu vois, chaque fois que tu vis la paix, c'est à moi que c'est arrivé. Et là, automatiquement, il y a la suite. C'est ça. C'est à moi que ça arrive. Pourquoi c'est plus là maintenant? Tu vois, c'était tellement savoureux mon état d'unité. Pourquoi je le vis plus? Pourquoi je le vis plus moi? Bah ouais, j'arrive pas encore à en rire, mais... Bah apparemment, si. Non, je ris du fait de pas réussir. Vous voyez. On y est. Ouais. J'aimerais bien partager quelque chose dans le sens où j'avais posé une question, Gérald, par rapport à l'histoire des réincarnations et le mot lui-même incarnation et comment dire la notion de réincarnation en général et de vie antérieure et le lien que, parce que personnellement j'ai eu dans... Enfin, personnellement. C'est des habitudes. Il y a eu des expériences de, on va dire, de souvenirs, d'images, de ressentis physiques et qui se passent encore de temps en temps, parce que j'ai par moments des transes ou des choses comme ça qui arrivent. Et il y a des choses qui m'arrivent de je ne sais pas où, mais voilà, des images, des perceptions, des choses puissantes qui s'imposent à moi. Et justement, en étant dans une vision de la conscience qui est là et qui baigne tout, cette histoire du corps, pour moi, il n'y a plus possibilité d'incarnation. Donc, il n'y a donc plus possibilité, s'il n'y a pas incarnation, il ne peut pas y avoir de vie antérieure ou de vie après, puisque c'est le corps qui est au sein de la conscience, en fait. Oui, oui. Donc j'étais bloqué avec ce concept-là et j'arrivais pas, parce que ça fait partie de mon expérience. Donc l'intellect disait mais non, ça peut pas exister. Et d'un côté, ah ben oui, mais j'ai quand même des souvenirs, des expériences, des trucs, et j'arrivais pas à coller les deux. Et en fait, tu m'as dit il y a une saisie par rapport à l'histoire du temps. Et c'est vrai que ça recolle avec ce que tu disais dans le maintenant. Et on partageait hier soir par rapport à ça. Et j'ai dit mais à ce moment-là, j'ai capté en l'expliquant, en fait. En voulant l'expliquer, j'ai capté que c'était le maintenant. Et ce que j'ai capté, enfin, ce que j'ai cru capter et comprendre, c'est que ces expériences qui peuvent arriver, elles sont dans le maintenant. Oui. Et que c'est juste le maintenant qui capte ce maintenant
ce maintenant aussi, mais c'est compliqué de l'expliquer. Mais j'ai... C'est comme une autre vie qui se passe dans un maintenant qui n'est pas séparé du maintenant actuel, puisqu'il a ni début ni fin, mais qui s'est produit. Et qui s'est produit aussi. Mais maintenant, maintenant. Dans ton expérience directe, reviens à l'expérience directe, reviens à maintenant, voilà. Et rien ne s'est produit. Ouais, rien ne s'est produit. Parce que tout ce que tu nous décris, ça se produit maintenant. C'est-à-dire que même le souvenir de ça s'est produit que, le souvenir de ça s'est produit que apparaît maintenant. C'est-à-dire que la totalité de ce que tu appelles le passé et le futur est créée à partir de maintenant. Dans le mental, dans l'imagination, mais il n'y a aucun passé, aucun futur. En fait, où on pourrait dire, c'est l'inverse de ce que croit le mental. C'est-à-dire que, comme je dis souvent en satsang, pour le mental, maintenant, c'est un tout petit temps étriqué, serré entre un passé infini et un futur infini. La réalité de l'expérience que vous vivez tous, c'est l'inverse. C'est que maintenant englobe la totalité du temps, de tout le passé et de tout le futur. Mais c'est imaginé à partir de maintenant. Il n'y a que maintenant. C'est pour ça qu'il y a des sages qui disent « rien n'a jamais eu lieu ». Et rien n'aura jamais lieu. Et en vérité, on peut même dire rien n'a lieu. C'est-à-dire qu'en ce moment même, depuis la conscience là, absolue, quand je te vois. C'est d'accord. Ouais, c'est d'accord. En Inde, on dit quand il y a une vérité énoncée, une cloche sonne. C'est d'accord. Quand il y a la, je vais dire la, entre guillemets, c'est que des mots, c'est des vocabulaires, la réalisation absolue du soi, il y a l'accessibilité à tout. Donc tu ne vas pas vivre ou revivre ou percevoir ou appréhender, je ne sais pas, une seule vie, tu vois, ou quelques vies, tu peux appréhender tout, parce que tout est disponible maintenant. Après, quand c'est spécifique, c'est-à-dire avec des existences, voilà, ça c'est en rapport des fois avec des tendances, encore quelques, et puis l'expérience qui est propre. Tu vois, à être vécu comme ça pour comprendre que c'est pour ça que vous allez vivre des images ou des films d'antériorité précise et pas tu vois, la totalité. Mais dans la réalisation du soi, tout là maintenant, peut être, là ça peut être vécu là dans l'instant. Hein. Voilà, on sait ça. Quoi. Et pas qu'une, tout. Oui, tout en même tout. Temps, oui. D'ailleurs, ma Nandamayi, il lui est arrivé assez régulièrement, j'allais dire, de dire des fois à des gens qui venaient au-devant d'elle, ah ben. Ouais, t'as été ça, dans, entre guillemets, dans cette antériorité, tu vois, où ça, elle les voyait, en fait, tout était vu, quoi, mais maintenant, quoi. Ouais. Tout. Il n'y avait pas de truc spécifique. Tout peut être vu, maintenant. C'est ça, la réalisation de soi, c'est que tout se passe maintenant, quoi. Enfin, se passe. Ouais. Mais tout est là. Tout est disponible. Là, ça veut dire que vous n'avez... En fait, il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucun savoir. Il n'y en a pas, en vérité, tout ça, ça n'existe pas. Mais si quelqu'un pose une question ou autre, ça peut se manifester par... une réponse ou pas, mais tout est possible en sachant rien, en n'ayant même pas un passage, j'allais dire quelque part, de pensée ou de film. Il n'y a pas, mais c'est pas un vide non plus, mais tout est disponible, tout. Donc ça aussi c'est possible, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire forcément que vous aviez vécu avant, voilà, parce que ça, oui, en fait il n'y a pas d'avant ni d'après. C'était à ça dont on parlait hier, c'est qu'on on pouvait la réflexion qu'on avait, c'est qu'avant, enfin, on s'accrochait à cette espèce d'image qui nous vient, et alors là, on se fait tout un film un cinéma, de ce qu'on croit être. C'était ça. C'était ça. Parce que parce qu'en fait, vous êtes aussi dans ce cas-là les antériorités que toutes les personnes ont. Il semblerait on aurait vécu, quoi. Bah, vous êtes tout ça aussi, c'est la même chose, parce que vous êtes la conscience, donc vous êtes. Ouais. Tu vois, après il y a des choses spécifiques qui vont être propres à l'expérience de chacun. Bah. Quand on parle de d'annales akashiques, oui, c'est ça, c'est que tout est disponible, ouais. Exactement, c'est ça. Dans la conscience, oui, la bien conscience sûr. Aussi. Oui, oui, tout à fait. D'accord, c'est la rose, le petit revers, c'est tout ça à la fois, et bien plus. Des fois, on me dit,
Mais tu dis qu'on est tous la même conscience, la conscience absolue et tout ça. Et des fois, on me dit, ouais, mais comment ça se fait que je ne me sens que moi dans le corps et que je ne sens pas autre chose? Mais c'est tout à fait possible pour n'importe qui de pouvoir vivre ce que vit l'arbre, de pouvoir vivre pleinement ce que vit l'autre, entre guillemets, puisque c'est la même conscience, effectivement, c'est possible, quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de but en soi là-dedans, mais c'est possible. Vous pouvez très bien vivre, quelqu'un arrive avec une douleur au genou, vous pouvez très bien vivre la douleur au genou de la personne. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout limité à l'enveloppe, quoi. Pas du tout. Vous pouvez même vivre ce que vit l'état de conscience d'un caillou, l'état de conscience de la table, tout quoi. Donc en fait, parce que moi j'ai été dans les massages, et à un moment donné, je ressentais dans le corps, et je me disais, mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir continuer à masser dans cet état-là. Et je ressentais le mal-être ou la problématique ou la douleur de la personne. Oui. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident pour la personne. Bon, ça, tant qu'il y a une, si tu mets une histoire personnelle, c'est pas évident. Voilà, d'accord. S'il n'y a pas d'histoire personnelle, il n'y a pas de problème. Ça passe, ça traverse. Ouais. Ça peut rester un certain temps, hein, quand même, ça dépend. Hein. Tu peux te retrouver même avec tout un tas de pathologies, de maux et tout ça, mais ça s'accueille, donc du coup, bah, ça sera comme ça sera et ça durera le temps que ça doit durer avant de. Alors, par exemple, il y a à un moment donné, quand elle s'est mise à pleurer, les larmes sont venues aux yeux, quoi. Oui. J'ai senti vraiment sa. Mais il n'y a pas de. Sa douleur et sa tristesse. Il n'y a pas de problème non plus avec ça. Voilà, avec le fait. Tout à fait. Et après, c'est. Enfin, et après, c'est passé. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Quand. Alors, je me disais, mais. Enfin, auparavant, je me disais, ben, ça y est, c'est en relation avec ma profonde tristesse et ceci et cela. Et donc, je m'accrochais à ça. Mm-hmm. Et là, donc, je l'ai vécu. Et. Après, c'est pas. Ouais, il n'y a pas besoin de commentaire. Passion, tout à fait. Il n'y a rien à rajouter. Oui. D'accord. Quand tu as réalisé clairement que tu n'es pas ce qui apparaît et disparaît, il n'y a plus aucun problème avec ce qui apparaît et ce qui disparaît. Ok. C'est là. J'ai commencé le livre que j'ai écrit par une citation de Ramana, qui Ramana Maharshi, qui est pas mal pour un peu. On ne peut pas expliquer le vécu de la réalisation, mais. Ça dit laisse venir ce qui vient, laisse partir ce qui part, vois ce qui demeure. C'est juste ça. Qu'est-ce qui demeure? C'était un concerto de Mozart. Oui. Si j'en fais. Ouais. Ah ouais, c'est un concerto de Mozart. C'est pas lequel. Le 23. 23, voilà. Ah, j'aurais dû le dire. Bon. Ouais. Et tu vois, avant, quand j'étais petit, j'avais un CD. On parlait des CD hier. C'est que. À chaque fois que j'écoutais du Mozart, j'exécrais Mozart. Depuis l'âge de 5 ans, je supportais pas. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y avait un côté trop léger. Je pense que j'avais déjà un côté peut-être austère. On dirait pas maintenant, mais j'étais assez austère. Tu vois. C'était important. Il y avait quelque chose d'important à réaliser, tu vois. et donc, c'était trop léger pour moi, Mozart. Ça m'énervait, je disais à ma mère, arrête, dès qu'elle mettait un Mozart, je savais que c'était Mozart, parce que physiquement, mes poils, ils s'est assez. Et maintenant? Et maintenant, plus rien. Ah oui. Maintenant, je comprends pourquoi les gens aiment bien Mozart. C'est qu'effectivement, c'est parce que c'est léger que c'est. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était une espèce d'improvisation qui n'avait rien d'écrit, en fait. Ouais. Il fait un petit truc, bloup, 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 et hop, ça passe tout seul, ça coule, quoi. Ouais, c'est confortable à entendre. Ouais. Moi, j'étais plus back, tu vois. Le côté bien, le sacré, bien... bien dense, tu vois. Ouais.
est-ce qu'il peut arriver parfois d'avoir des... pas un éveil, mais des choses qu'on a l'impression de capter et ça disparaît, enfin... m'est arrivé récemment, il y a quelques jours comme ça, j'écoutais une vidéo qui parlait de la non-dualité, etc. Et la personne parlait en disant « Ah oui, on m'a fait des compliments, mais je ne peux pas en profiter parce que ça s'adresse à personne, il n'y a personne. Oui. » Et en fait, j'écoutais ça et puis voilà. Et puis après, je vaquais mes occupations. Et d'un seul coup, bon, j'étais en train de nettoyer le plat du chat. Ça m'a... Je ne sais pas, je me dis « Mais pourquoi ça arrive maintenant ?» Je nettoyais le plat du chat et d'un seul coup, j'ai eu une espèce d'image mentale où c'est comme si je me séparais de... C'est comme si la personne était un objet et oui. Que j'en prenais distance. Oui, exactement. Et, oui. Et au moment, enfin, quand j'étais en train de nettoyer le plat du chat, ça me paraissait d'une limpidité. Je me suis dit, voilà, t'as trouvé, il y a quelque chose là qui se passe. Mm. Et le temps de nettoyer le plat, et une fois que le plat était propre, ça, c'est parti. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pensé? Et il y avait un truc comme si... cette compréhension avait duré l'espace d'un instant, oui. et que la sensation de comprendre était partie en fait. Tu vois, il y a une espèce de, je sais pas. On appelle ça des lueurs, ouais, c'est ça. Ou des levées du voile. C'est ça. Donc, d'accord. Ça arrive. Il y a des moments de réalisation comme ça, plus ou moins furtif, et après il y a le voile. Ouais, ouais, ce qu'on dit traditionnellement, c'est qu'à force de lever et de baisser le voile, il finit par s'user. Exactement. C'est ça. On cherche à nettoyer le plat plus souvent. C'est ça, fais un élevage. Fais un élevage. Allez, venez, minou, on va lever le sextoir. C'est un jeu étrange, ce fait, parce que ce que tu viens de dire, c'est ce qui arrive à beaucoup. Tu as une expérience et tu te dis, tiens, ben. Veux la reproduire, donc ouais. Ouais, voilà, ouais. Parce que subconsciemment, en fait, il y a eu la pensée, c'est à moi que c'est arrivé. Ouais, c'est t'as chosifié l'expérience. Ouais, exactement. Ah, en oui. Fait, bah oui, il y a une saisie. Ouais. Il y a la saisie, c'est pour ça que le voile redescend, puisqu'il y a saisie. Oui, il y a saisie, et puis t'as mis en relation le contenant de maintenant et le contenu de maintenant. En fait, il y a une blague par rapport à ça. Je ne sais plus. Il y a un sage qui disait qu'il avait mangé une barre chocolatée, je crois, et qu'il avait réalisé le soi au moment où il mangeait cette barre chocolatée. Et là, tout le monde, la question, c'est c'était quoi la barre chocolatée? Il y a une possibilité de voir d'où ça part la saisie et où ça se résorbe. Parce que c'est, pour fonctionner dans le monde, il y a forcément l'émergence de focalisation. Si tu veux, donc il y a comme en apparence des mini-saisies. Tu vois, pour que je te parle, je suis obligé de te saisir. Tu vois, je te mets des contours, et puis je me mets un petit peu des contours pour qu'on puisse entrer en relation. Donc il y a une espèce de saisie, je recrée le décor et tout, donc je refais tout ça, puis là on peut parler. Et, et en fait, ça, c'est... Il faut juste voir cette mécanique, quoi, comment ça fonctionne. Mais si tu remontes à l'origine, tu vas te rendre compte que ça part de quelque chose qui vraiment... est complètement au-delà. Tu veux, comme je disais dans un satsang, les saisies ne sont plus saisies. Tout ce qui émerge n'est pas attrapé, quoi.
Ça, c'est juste des... On en a besoin pour fonctionner dans le monde, mais c'est pas ce qu'on est. C'est pas en essayant de ne plus saisir que tu vas te libérer de la saisie, c'est en voyant le mécanisme lui-même, comment ça fonctionne. En fait, on ne peut pas s'interdire de faire ce qu'on fait, ouais. De voir que ça se fait en fait. Ouais. Parce que j'ai essayé aussi ce mécanisme de, on va dire, du personnage qui récupère le truc. Non, faut pas que je fasse ça. Spirituellement, voilà. L'identification, j'ai pas à juger ça. Et c'est pas vrai en fait. Les jugements arrivent, ils sont saisis ou pas, c'est vu ou pas. Mais comme tout est vu, maintenant il y a jugement, il y a saisi ou pas, c'est vu. Et s'il y a culpabilité, c'est vu, c'est goûté, tout est goûté et tout passe. De plus en plus, ça circule. Jusqu'à un moment, c'est plus saisi. La plupart du temps, il n'y a plus de saisie. Donc il y a maintenant. Puisqu'il n'y a plus rien qui est ramené au niveau de la. Enfin, c'est de moins en moins ramené au niveau du personnage. La saisie, c'est, pour moi, c'est le personnage. Et du coup, ce que je suis demeure et s'installe de plus en plus. Voilà, le maintenant, c'est. On va dire, est de plus en plus périn. Il écoutait plus pleinement. Je le dis avec mes mots. Et au début, ça saisit. C'est vu, et plus c'est vu, comme dit Laurent Olivier, voilà, voir, ou Franck Lopvet dit ça aussi, il suffit de voir. Le voir suffit à ce que ça se dissipe en fait de lui-même. Ou pas, suivant le. Voilà, moi je sais pas, dans la temporalité, on va dire, comment ça agit, en tout cas, ça fait ça. Ça ouvre au discernement aussi. Complètement. Le voir. Complètement. Il n'y a que ça qui est nécessaire. Il n'y a que le discernement qui est nécessaire, en fait. Un bon discernement, ça suffit. Exactement. Qu'est-ce que vous nommez discernement ? Discerner entre l'irréel et le réel. Ce qui apparaît, disparaît, ce qui fluctue et ce qui ne fluctue jamais. Dès le moment où tu essaies de faire avec une volonté personnelle, c'est-à-dire, comme tu me dis, okay, comment ne plus saisir ou comment ne plus rentrer dans le jugement. Donc, si à chaque fois qu'il y a un jugement qui arrive, tu te dis, il ne faut pas que je juge, tu es en train de juger le jugement lui-même, donc tu es en train de recréer un autre personnage subtil. Mais tu te fais encore attraper. La seule chose que tu peux faire, c'est te rendre compte que tu peux rien faire. Tu peux rien faire, humainement parlant. Le but n'est pas l'amélioration du personnage, le but c'est de réaliser que tu n'es pas le personnage. Donc tu laisses le courant de la vie s'exprimer dans, on va dire, là, dans le décor. Et le décor, ça fait partie du décor aussi. Tout ce qui est vu fait partie du décor. Ton corps, c'est le décor, les pensées, c'est le décor, les émotions, c'est le décor. Ça décore être. Et alors, si... Il y en a trois en même temps, là. Attends, vas-y. Non, vas-y. Une petite question par rapport à comment vous insérez ce discernement, comment vous le reliez à ce qu'on appelle l'expansion de conscience. Est-ce que tu peux... Ça, ce sont des expressions... C'est comme quand on parle d'ouverture, etc. Mais effectivement, Gérald vient de dire qu'il n'y a pas d'expansion de conscience, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'expansion de conscience. Ça, c'est une expérience, l'expansion de conscience. Ouais, c'est une expérience. Je vais lire un livre qui s'appelle S'éveiller, de philosophe Steve Taylor. Tu ne peux pas dire S'éveiller. Ben justement, et à l'intérieur, il décrit plein d'expériences, et il décrit en plus les moyens de rendre les expériences d'éveil stables, etc. Il parle d'expansion de conscience. Tu ne peux pas rendre une expérience stable, même si c'est l'expérience des. Ah, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une confusion à l'intérieur du. Il y a une confusion. Il n'a pas réalisé. S'il dit s'éveiller, c'est pas réalisé. De toute façon, s'éveiller, rien que le titre. Oui. Il y a une confusion, effectivement. Un éveillé ne peut pas dire je me suis éveillé. C'est pas possible, ça. C'est impossible, parce qu'en fait, c'est une pensée qui est venue après la réalisation. Je suis éveillé, en fait je l'ai vu vraiment en ralenti apparaître, se construire, justement, tac, la petite non, il n'y a même pas eu de saisie, c'est apparu et après ça a été réabsorbé dans l'absolu, ça fait chut, et ça pouvait plus marcher, ça pouvait plus, cette étiquette là non plus ne marchait plus,
C'est ce que dit Eckhart Tolle juste dans les premières pages de son livre « Le pouvoir du moment présent ». Juste après avoir réalisé le soi, le monde, c'est-à-dire l'humanité, c'est comme empressé de me coller une autre étiquette, l'étiquette de l'enseignant spirituel. Mmh. Ça ne veut rien dire pour la conscience. Ça ne veut rien dire du tout. Donc en fait, toutes les expériences dites de modification, état modifié de conscience, expansion de conscience, ça n'a rien à voir. C'est des expériences. C'est uniquement des expériences. Il n'a rien à voir avec le fait de favoriser ou pas le discernement. En fait, on peut rester très longtemps bloqué avec les expériences. Ouais. On peut courir après les expériences comme ça. Il y a beaucoup de mystiques. Les mystiques, ils ont souvent une relation avec Dieu et des fois avec une forme de Dieu. Et c'est beau, hein, y a un certain romantisme là-dedans, je trouve que c'est joli, quoi. Jouir de Dieu en Dieu, par exemple, d'Angèle de Foligno, c'est un très beau livre d'une relation intime avec Dieu, mais c'est encore une relation personnelle. Il y a encore une personne qui vit son histoire avec ce qu'elle appellerait... un dieu, une divinité, etc. Mais à un moment donné, Mais moi aussi, j'ai cru ça pendant des années. Même dans le livre qu'on a écrit ensemble, je dis à Gérald, je n'avais pas réalisé qu'on a écrit le livre, et je lui dis, mais à un moment donné, Dieu va m'apparaître et puis dire, c'est moi. Comme le buste en ardent, tu vois. Et en fait, Gérald m'a dit non, quoi. Ça n'a rien à voir avec une relation. Au début, c'est vécu comme tel, mais toute relation que vous vivez dans la vie, en fait, relation d'amour, en fait, mène à la fusion. C'est ce qu'on veut. On veut l'unité. La fin, en fait, la peine sera là que quand il y aura fusion, quoi. Sinon, il y a deux. Il y a deux. Je me connecte à. Je suis en relation avec. Ça fait. Utiliser le terme fusion. Fusion, ça vous semble juste. C'est fusionné, c'est comme le curé d'Ars, qui avait quand même une réalisation assez profonde, quand il parlait de l'union, de l'unité, il disait la fusion, justement, c'est des mots, hein, avec Dieu, c'est comme deux bougies, la cire de deux bougies que l'on fondrait ensemble. Bon, en fait, mais en réalité, c'est la même cire. C'est la même chose. En Inde, on emploie la métaphore de la poupée de sel qui voulait rejoindre l'océan. Donc, elle est toute heureuse d'aller se baigner dans l'océan. Et puis, au moment où elle se baigne dans l'océan, elle se dissout dans l'océan. Et ça aussi, dans le cœur a envie, il y a l'élan d'expérimenter à un moment donné une relation avec Dieu. Et c'est OK avec ça. Et un jour, j'avais posé une question à un sage, entre guillemets, pas tout à fait réalisé, qui m'avait dit, tu sais, la réalisation, après, t'es encore... t'es avec Dieu, puis t'es... En gros, il me disait, t'es à côté de Dieu. Enfin, c'était un peu bizarre ce qu'il me disait. Et là, tu jouis d'être en présence de Dieu. Et moi, ça dissonnait quand il disait ça. Je me disais, moi, je veux la fusion, quoi. Mm-hmm. Je veux me sentir à l'âme, je veux être tout, quoi. Mm-hmm. Et en fait, c'est comme ça que c'est. C'est vraiment comme ça que c'est. Il y a fusion. Et c'est certainement pour ça qu'on cherche toujours, enfin dans cette vie, à fusionner avec l'autre. C'est ça, oui. C'est ce que tout le monde recherche. Le message, il est là. C'est ça. Bien sûr. Voilà. Même à travers l'expérience physique. D'ailleurs, il y a comme une frustration à un moment donné, c'est que du fait des enveloppes, on ne peut jamais vraiment fusionner, quoi. À moins qu'on vive l'expérience à un autre niveau, tant que tu restes au niveau physique. Tu peux pas fusionner, même quand tu ingères, parce que c'est ça, c'est de l'amour aussi quand on va vers l'aliment, vers le goût. Donc on ingère le goût et puis on veut fusionner en fait. Oui. Ça marche jamais, quoi. On essaie de le faire. T'as beau manger 15 000 glaces, tu fusionneras pas. Ouais, la reconnaissance, ça se fait pas par l'estomac, ça se fait pas. Ouais, par contre, tu peux être la glace d'ici. Après, il y a dans l'acte, par exemple, dans l'acte sexuel, quand il y a vraiment une osmose
On a un ressenti, des perceptions, enfin des ressentis de l'autre par rapport à ses propres réactions et inversement. Oui. Là, il y a une espèce de... Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de... Je vais essayer de trouver les mots. au fait de vouloir... De que la conscience est partout et que c'est partout, c'est la conscience qui regarde de partout et qui perçoit de partout. Et donc là, au moment de l'acte sexuel, on a qui est en symbiose, on a une petite ouverture vers cette sensation-là, c'est-à-dire que on a perception depuis l'autre en fait. Oui, il y a plusieurs, degrés de façon dont ça peut se vivre en conscience. Il y a l'écoute totale, et il y a un moment donné où cette écoute totale ne se fait plus à partir d'un moi personnel. C'est, tu deviens juste écoute. Et la conscience, elle est, c'est ce que je disais hier, elle est attention. Elle est écoute, et il n'y a pas besoin d'un moi personnel pour que ça se passe. Lorsqu'il n'y a plus le moi personnel, c'est plus moi qui est dans l'acte sexuel, il n'y a même plus quelqu'un qui agit. C'est la vie qui... Voilà. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Ça pourrait se faire en lavant le plat du chat. Tu vois, pas. Et c'est de l'amour pareil. Ça ne se fait plus à partir d'un moi personnel. Donc c'est la même chose, ce désir de fusion avec l'autre, et puis ce retour sur soi, c'est en fait, on quitte la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est pareil. Ouais. Du coup, moi, j'ai eu souvent dans l'expérience une confusion là-dedans, c'est-à-dire que je cherchais à fusionner avec mon compagnon, et en même temps, quand je voyais que c'était pas que c'était pas possible, dans le sens que moi-même, je me reconnaissais pas pleinement, je me reconnaissais pas déjà être. Je cherchais à l'extérieur quelque chose qui était déjà en moi, ça c'est important de le voir aussi. La plupart du temps, ça aussi, on va et vient entre des actions qui se font à partir d'une complétude, et ça se fait quand même, et à partir de je veux mendier en fait, tu vois, du plaisir extérieur. Donc c'est important de le conscientiser sans jugement, hein, mais juste de le voir, ça. Et c'est ok, hein. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup, l'unité, on ne peut pas en parler, quoi, finalement. C'est impossible, parce que non, dès que tu conceptualises et que tu parles, c'est réducteur. Vérité, quoi, ouais, c'est non, c'est qu'un vécu direct. Ouais. Ça passe à travers des mots simples, banals, tout ça, mais comme c'est... Ceux qui vont... qui ont atteint, entre guillemets, enfin, la conscience... tout est conscientisé, j'allais dire. Donc, quand il parle avec des mots banals, il y a un échange à partir de cette perspective de l'absolu, quoi. Donc c'est perçu quand même. Mais sinon, on ne peut pas en parler, en fait. Ouais. Tu peux parler qu'avec des mots de tous les jours. Ben, tu peux pas définir ce qui est infini, sans début ni fin, qui est non-né, incréé. Comment tu fais comment? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de singes en Inde ou ailleurs, d'ailleurs, qui... Bah, alors, ils parlent jamais. Ouais. T'as dit singe. Aussi. Des fois, je l'ai dit aussi. Aussi. Les singes qui sont dans l'Inde. Ceci dit, s'ils l'avaient entendu, ils n'auraient pas été touchés. Hein. J'ai une question peut-être un peu, justement pas personnelle, mais je vais te demander, est-ce que ta compagne aujourd'hui, elle est installée vraiment dans le soi? Non. Et comment justement ça peut se jouer au quotidien? Ça pose pas de problème. Elle suit ses élans et je lui dis toujours de se sentir libre. Et justement, on a vu récemment beaucoup de choses. Elle a beaucoup agi avec l'idée de pour bien faire, tu vois. Faire pour bien faire pour les autres, le regard des autres. Et
Et du coup, là, elle lâche vraiment ça, quoi. Là, depuis quelques temps, elle fait vraiment, vraiment ce qui parle ici. Et du coup, tout se met à circuler. Donc, l'abondance à tous les niveaux. Parce que comme elle agit à partir du cœur, qu'est-ce qui se passe quand vous faites, par exemple, ce que vous voulez faire dans la vie, en, par exemple, sous forme professionnelle, sous forme relationnelle, etc. C'est la présence qui parle, et ça se fait avec le cœur. Tout ce que vous faites, ça se fait avec le cœur. Et donc, ça fait écho. Quand on vient rencontrer quelqu'un dans un métier, par exemple, dans une profession, ce qu'on vient rencontrer, c'est une présence avant tout. C'est la présence. Donc, si pendant que tu fais ce que tu fais, t'es en présence, les gens le sentent, et ça, c'est l'abondance, puisque tout le monde veut la présence. Donc, du coup, si t'es OK avec toi-même, ça se sent. Donc, tout devient harmonieux, quoi. Par contre, si t'es pas OK, ça va se sentir aussi. La vie va te faire comprendre que non, c'est pas là. Donc, tu vas... Voilà. Ça va peut-être changer des choses, quoi. Juste pour finir, pendant que j'y pense, par rapport à ce qu'on disait sur le fait que ça puisse pas s'énoncer, j'avais rencontré un sage en Inde qui parle français, puis on discutait de la réalisation, il a réalisé le soi, et il m'avait dit la même chose que Gérald. Bon, Gérald l'avait dit différemment. Gérald m'avait dit oublie tout ce que tu connais, tout ce que tu as lu, là, oublie tout. Lui m'avait dit... Tu sais, à un moment donné, sur le chemin, il y a un cétacé. Moi, j'ai vu le route avec une baleine, tu vois. Il y a un cétacé sur le chemin. Un cétacé. Toi, t'avais vu des baleines, c'est ça? Ouais, je voyais la baleine apparaître. Il y a un cétacé. Et donc... C'est ce qu'ils disent aussi en Inde, les sages vous le disent en anglais, mais effectivement c'est assez enough, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu réalises que la quête du mental, à partir de tout ce que tu as lu, tu te rends compte qu'il faut laisser tomber tout ça, quoi. Faut s'autoriser à se laisser être, à se laisser tranquille. Ça peut être aussi le cétacé dans justement guérir ceci, guérir cela, chercher. Voilà. Ou les causes humaines, aller dans la vie antérieure. Voilà, tout ça. Ça peut être à un moment donné, c'est cétacé de tout ça. Oui, il n'y a plus besoin d'aller détricoter tout. Ouais. Et de tout comprendre sur tout. Voilà, et comprendre, dans le savoir. Ouais. Et ça, c'est important de se rendre compte que la réalisation ne procède pas d'une compréhension. Parce que tout est déjà compris, mais pas au niveau du mental. Et en satsang, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a comprendre, on peut le comprendre de deux façons. Il y a comprendre et il y a c'est compris dedans. C'est-à-dire c'est inclus. C'est-à-dire tout, la vraie compréhension, c'est quand tout est inclus. Tout est inclus. Tout est compris, quoi. Donc il n'y a rien à comprendre parce que tout est déjà compris. En même temps, il y a ce besoin de passer par tout ça. C'est pas un besoin. Non, c'est pas un besoin, mais ça fait partie du jeu. C'est la feuille de route. C'est la feuille de route. Il n'y a aucun hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et non, c'est pas le hasard. C'est la feuille de route. Et si vous êtes là, c'est que ça correspond à ce que... au cétacé, justement. La feuille de route jusqu'à ce qu'il y ait le cétacé au milieu. On a vu la baleine aussi.